Sébastien Leguascos, aujourd'hui vous nous parlez de CIVIC, c'est quoi exactement ce réseau Alors c'est un réseau de la vie publique euh, qui va se présenter sous forme d'une application iOS et Android qu'on va lancer fin avril. Et l'idée c'est de rassembler les citoyens, les élus, donc les 618 000 élus euh, que de la France, les candidats aux élections, et les collectivités sur une même application dédiée vraiment à la vie publique, tout en gardant les mêmes codes que les autres réseaux sociaux existants, Facebook pour la vie privée, LinkedIn pour la vie professionnelle, pour que l'utilisateur ne se sente pas perdu. Alors comment ça marche concrètement Vous parliez des citoyens et des élus. Comment ça marche pour les citoyens qui veulent euh, utiliser Civic Donc un citoyen crée son compte Civic euh, si sur l'application, et derrière il peut accéder à des fonctionnalités vraiment dédiées à la démocratie participative, notamment les remontées d'idées citoyennes au niveau de son quartier, au niveau de sa ville, au niveau de la France ou même au niveau de l'Europe, pour qu'effectivement les élus puissent identifier quelles sont les idées citoyennes au niveau géographique qui sont les plus pertinentes. Les idées peuvent également évaluer l'action de leurs élus, soit en évaluant d'une manière générale l'action de l'élu, soit en évaluant de manière plus précise les propositions ou les idées citoyennes des autres citoyens, mais également les actions des élus. – Et pour l'élu, oui, euh, voilà, <laughs> les, les 618 000 élus sont disponibles. – De toute, sont... toute façon, l'élu, il est inscrit. Par défaut, voilà. il est inscrit sur civique. Après, c'est à lui de... de prendre ou pas la main. Alors, lui, tout il tout peut fait. faire quoi avec Donc L'élu prend possession de son profil. Nous, on, on, on s'assure quand même que c'est bien lui qui, oui. est, qui est derrière. Et derrière, l'élu peut être transparent sur ses actions. Donc, il peut publier ses actions. De la même manière, il les publie au niveau du quartier, au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau de la France. Derrière, il peut également publier des propositions, bien entendu, avant de réaliser ses actions pour d'abord recueillir la vie de ses concitoyens avant de la mettre en œuvre en action. Il peut également publier son actualité, notamment en synchronisant son Facebook, son blog, son Twitter, pour avoir simplement un seul pratique. outil. Ouais. Et derrière, il peut également effectuer des sondages auprès de, des citoyens qui le suivent pour de la même manière sonder un peu les citoyens avant de passer à la proposition ou l'action. Alors comment est née cette idée très, très riche qui développe ça Alors l'idée est née en 2011 et on a réellement créé la société donc en 2016 et lancé cette, cette aventure. On est cinq, deux profils plutôt développement commercial, donc Marc Durieux et moi-même. Et Violette Suquet, David Collin et Kevin Laborie nous ont rejoint sur la partie développement informatique et graphisme de l'application. Bon alors comment est, est accueilli le projet en particulier auprès des Élu, euh, Sébastien. Alors on a fait le salon des maires d'Île-de-France euh, la semaine dernière, porte de la Villette à Paris. Où on a rencontré pendant trois jours énormément d'élus. Je crois qu'on a rencontré pas loin de 150 élus, conseillers municipaux, maires, euh, à qui on a présenté l'application. Euh, on a été vraiment agréablement surpris par l'accueil qui est très positif. Et donc on est en train d'adapter euh, l'application en ce moment au retour citoyen et au retour des élus pour livrer une version euh, qui, a priori, euh, j'espère comblera toutes les attentes. Et qui démarre euh... fin avril. Fin avril. Si tout voilà. Je voulais une date. <laughs> Merci beaucoup, Sébastien. Merci bien. Allez, il est temps maintenant de se replonger dans le passé. En